bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure américaine. Je parle évidemment de Far Cry 5, on est donc parti. Avant cela, laissez-moi vous montrer ce qu'on va faire, chose promis, chose due. On va aller à l'église Lamb of God pour sauver notre dernière élite qui se trouve dans la zone. Et je pense qu'on va se faire capturer une dernière fois par John Seed et on va régler nos comptes, ça risque d'être assez terrible. Il y avait une voiture pas très loin, on va essayer de la choper, elle est ici. Et on y va les gars, on y va, c'est parti. Je pense que juste après on va changer de région. Je m'avance peut-être un peu vite, c'est possible, mais j'ai espoir. En tout cas on aura forcément de nouvelles quêtes, ça c'est une évidence. Parce qu'il nous reste une seule quête à faire qui est ici, juge et élan. Et je doute que... Ah non, 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 j'ai parlé trop vite. Il y a le célèbre révélateur aussi. Il y a le célèbre révélateur où je vais devoir calmer tout ça très très vite. C'est pas grave, on va aller libérer le dernier élite pour avancer quand même un petit peu plus rapidement dans le jeu. Vous êtes nombreux à m'avoir dit B-Boy, franchement, t'es encore qu'au début, t'as fait 10 épisodes et tout. Vous savez que les aventures américaines exotiques, entre guillemets, c'est les mêmes hein, finalement. Vous savez que j'aime prendre mon temps, j'aime apprécier, parce que ce genre d'aventure c'est l'imprévu, ce genre d'aventure c'est la découverte, ce genre d'aventure c'est tout simplement le kiff. Donc préparez-vous, parce qu'ici c'est l'Amérique. Ah, j'ai peut-être fait une bêtise. Attendez. Ok, je vais juste passer par ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Attendez, c'est ça que je voulais faire. Voilà, c'était ça. C'était ça que je voulais faire. J'ai fail, c'est pas grave. Attends, calmez-vous les gars, calmez-vous. Regardez. Oh le génie. Ok, allons, on se casse. On se casse parce que ça, ça va me causer la mort. Normalement, ça devrait exploser, je suis pas sûr. J'ai tiré, il y a une fuite. Je pense qu'il y a une fuite. Mais oh, le mec, 3 balles dans le rétro, putain, incroyable. Ok, attendez, on va où là? On va où? On est où? Ah, on est passé devant. Hop, on va très vite faire demi-tour. Quoi? Ok, we love you. On vous aime, bien évidemment. On y va, les gars, c'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, ils peuvent rien faire. J'ai plus 10 en immunité contre les... Bon, c'est bon, ça va là aussi, les gars. C'est pas Medal of Honor, frère. C'est un truc de ouf. On dirait on est en train de refaire le débarquement allié. Ça va, les gars, oh! Foutez-moi la paix! Ils vont pas me laisser. Ils vont pas me laisser. Je suis censé faire quoi contre un avion avec un snipe? Ok. C'est bon, les gars, on reste concentré, on reste focus sur notre objectif. Notre objectif n'était pas l'avion. Ok, c'est bon, on y est. C'est par ici. Ça va, arrête un peu, frère. Fais-en pas trop. Encule-moi ça. Ok, on bouge. Je sais pas, il va peut-être revenir. J'en ai aucune idée. Qu'est-ce que c'est? Un chien? Un loup? Vas-y, Boomer, attaque! Ok, on y est. Putain, c'est tellement grand, on dirait pas. C'est parti, hein. C'est ici, c'est notre dernière élite. Hein. Ah. Okay. Regardez ce qu'on va faire. Regardez bien ce qu'on va faire. Ça, je peux malheureusement plus en confectionner. Ça, je peux en faire, mais j'ai peur de ne pas savoir l'utiliser. Qui explose lorsque quelqu'un ou quelque chose en approche. Très bien. Ah! Ok. On va utiliser un medikit. Fais gaffe au feu, Boomer, Boomer, Boomer. Ok, je crois que je les ai tués. Ok, les deux sont totalement morts. Je pensais pas que ça s'enclenchait aussi vite, pour être très honnête avec vous. Mais c'est pas grave. Je pensais pas que c'était à une vitesse aussi incroyable. Ok, on a pas mal de petits trucs, hein, on ramasse. Et c'est toujours pas ici. Oh non. Oh, t'as tellement pris ce que tu méritais. Ok, c'est pas ici. Mais c'est où? C'est pas vrai. Ah putain, c'est juste en face. Hop, on le prend. Hein. On prend cette voiture, elle est pas mal du tout. Avec une sorte de banane. Non, c'est vrai. Pâte de coque sûrement. Je connais bien. Bon, 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 bon. C'est Grace. Je suis à l'église de Fontaine. Putain, c'est incroyable. Elle est où cette église?
Je suis censé être dessus sur la map. Elle est gigantesque, c'est n'importe quoi. Ok, elle est là. La vache. 4 ans que je suis dessus. Les gars, je sais pas ce qui se passe par contre. J'arrive. Je vais régler tout ça très rapidement. Attendez, attendez, attendez. Oh, c'est bien un pont que j'ai. Ok, j'ai monté là-dessus. Ça me paraît pas mal. Il y a du monde, hein. Je bougerai pas de là. Hop, ça dégage. Il tire sur quoi, là? Il y a vraiment quelqu'un, en plus. Voilà. Voilà. Ben voilà. C'est pas mal, ça, ma grande. Bon, qu'est-ce qu'on a, là? Des munitions, pas mal, je prends. Allez, dis-moi tout. Oh non, t'es encore en conflit, vous, il se passe quoi? Vous aimez les ennuis. Je m'appelle Grace. J'ai entendu dire que quelqu'un pourrissait la vie des cinglés. Vous tombez à pic. Vous voyez ces tombes là en bas? C'est celle de héros de la guerre. Mon père en fait partie. Ces cinglés veulent les profaner. Ils essaient d'effacer notre histoire, de nous casser le moral, pour qu'on cède et qu'on se laisse s'écraser. Mais pas question. Tant que je serai en vie, personne touchera la tombe de mon père. Je suis bonne tireuse. Mais j'ai besoin de quelqu'un pour me couvrir. Ils seront bientôt là. D'accord, Grace, sous les balles. Au sud-est. Ok, ok, donc faut défendre, très bien. Ça me fait peur, en plus j'ai plein de pompes. Ok, Boomer, je compte sur toi. Juste pas. Ok, hop, j'ai jeté un caillou. Hein. J'ai jeté un caillou, désolé, c'est la pression. Et sous la pression, je jette souvent des cailloux. Ok, c'est fait. Putain, faut limite pré-shot, c'est terrible. Ah, dur. Allez, Boomer. Voilà. Lui, c'est fait. Ok, lui c'est fait, une petite balle ça fait jamais de mal dans les fesses. Ok, l'est c'est là-haut. Ok, ça c'était pour le spectacle. Attends, 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 je viens de voir quoi là? Bien, je suis totalement miro. Ah, tu regardes pas au bon endroit gros. Je suis derrière les gars. Ok, c'est pas mal. Ok, putain, lui il est chaud à viser. En vrai, de loin, les gars, on dirait pas, mais... Voilà. Oh la vache, calmez-vous, calmez-vous. Il y a des snipes. Ok, on va utiliser un medic. C'est pas mal ça, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. On peut y arriver, officier. Non, on va y arriver, aucun souci. J'ai pas les meilleures armes, hein, je m'en rends compte. Juste un snipe, c'est pas ouf, c'est un peu moyen. Ok, on va en confectionner. J'ai pu en faire qu'une. Ok, j'ai... Ça c'est moyen. Ok, c'est bon, c'est touché. Attends, touche pas à Boomer, touche pas à Boomer. Non. Ok, ça c'est fait. Ça c'est fait. La loi c'est moi les gars, hein. C'est terminé maintenant, hein. J'avais de la pitié encore hier. Maintenant c'est terminé. Boomer, c'est rien mon pote. Reviens, 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 reviens. Non. Je suis mort, je suis mort. Triste vie. Oh, ça va être compliqué cette histoire. Ok. C'est pas mal. Allez.
Ok, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On est dans la merde ici. Hop. Allez, 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 on va faire attention. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Ok, c'est bon. Oh là là, mais mec, c'est combien de balles? Insane. Arrête. Putain. Vous avez vu le nombre de balles, c'est insane. Ça y est mon pote, ça y est mon pote, ça c'est fait. Allez, on va lui parler maintenant. Insane le nombre de balles. Quoi? Attendez, lui on va prendre un petit plaisir. Eh, hop, ça dégage. Brisage de nuque immédiat, lui. 360. J'ai le pire. Vous avez rien vu les gars. Vous avez rien vu. Bon, c'est pas mal. Finalement, c'est pas mal. Il faut juste une arme supplémentaire. Écoute, je vous en vaudrai ça. Il n'y a pas grand monde qui aurait pris un risque pareil. Je l'oublierai pas. Comme disait mon père, tant qu'on continue de croire les uns en les autres, il y a toujours un espoir. Si on serre les coudes et qu'on s'entraide, les cinglés gagneront jamais. Bon, on va pas sortir les violons non plus. Mais si jamais vous avez besoin d'aide, appelez-moi. Je serai là. Eh bien voilà, c'est fait, on a libéré la dernière élite du territoire. Grace sous les balles. Donc ça... c'est fait, c'est un peu... c'est le sniper, hein, c'est le sniper de l'équipe. On a bientôt fini ce territoire au complet. Et ça, c'est plutôt cool, franchement, mine de rien. On dirait pas, mais on avance. J'ai 15 points. 15 points. Ah, je peux pas l'avoir. Il faut que je tue un lieutenant pour avoir une quatrième arme, pardon. Ok. Je ne sais pas ce que ça veut dire encore, parce qu'on n'en a pas tué. Mais ça viendra, je pense. Boost de santé, ça, vous savez quoi, ça je prends parce que je suis toujours un petit peu ric-rac niveau santé, tu vois ce que je veux dire. Là, on a 200%, on est pas mal du tout. Il est temps d'afficher la carte parce qu'on avait une mission très, très, très embêtante. C'était celle-ci, le Révélator. À skip, ça tabasse de ouf. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je vais me caler ici, dans le ranch, tranquillement. On va prendre un avion et on va essayer de faire le Révélator avec un avion. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On va survoler déjà la zone, voir un petit peu, observer. Genre. Et on va essayer de le tuer si on le voit depuis l'avion. Mais je doute, on verra. Ça m'énerve, hein. Ça m'énerve. Tout le monde essaye de m'arracher dans cette ville de merde. Yo, frérot. Si tu connais un peu Grace, tu sais qu'elle plaisante pas. Le matos qu'elle a planqué chez elle doit être exceptionnel. Oh, elle doit avoir un sniper d'enculé. Oh, elle doit avoir un sniper d'enculé, frère. C'est où, ça? J'ai envie d'y aller, hein. J'ai vraiment envie d'y aller, hein. Allez, c'est pas grave, vous savez quoi, on va pas se faire distancer, je vais prendre le Révélator, donc on va prendre déjà l'avion qui est qui est là-haut. On va prendre l'avion, on va faire le Révélator et on va chercher le trésor. Je pense clairement que c'est un sniper. Calme-toi toi avec ta visée laser. Tu sais même pas où tu vises, frère. Gars, il va se foutre ça lui-même dans l'œil, il va se brûler la rétine. Okay, c'est par ici. Allez, vas-y, s'il te plaît, tu me le files gratos, frérot. Y'a quoi en avion? Tiens, d'ailleurs, on va voir. Ok, on a celui-là, une petite... pas cher en vrai. Mais il a l'air vraiment nul à chier. On a celui-là qui a l'air un petit peu plus... Oh là là, on a des avions de guerre. Ok. Ah, on a des trucs incroyables, feu de forêt. Les gars, on a des trucs incroyables en vrai. Je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là pour faire le révélateur. Oh, il m'énerve. Hein. Je vais arracher leur avion de mort, là. Allez, on y va. Attends, je m'en occupe, hein. Je m'en occupe de vous inquiétez pas. Allez, c'est parti. Bon, le Révélator, déjà, on avait dit. On va faire les choses en ordre. Après, vous savez quoi? Vu que je suis une machine, je vais carrément me larguer de l'avion. Et on ira en parachute. Oh, remarque, on peut le faire. C'est chiant parce qu'il faudrait retourner. On va faire le Révélator. On va faire les choses en ordre. C'est parti. 1,4 km en avion, ça se fait. D'ailleurs, j'ai oublié de regarder vos réponses. Pour ceux qui font un peu d'aviation ou comme on fait. Est-ce que... les distances ont l'air respectées en avion. N'hésitez pas encore aussi à le dire dans cette vidéo, on le dit jamais trop. J'ai un avion au cul. J'ai littéralement un avion au cul, c'est pas grave. Il a l'air d'avoir abandonné. Enfin, c'est stylé cette petite vue, hein. C'est vraiment sympa. Hein. C'est vraiment un petit plaisir. Regardez.
c'est propre, hein. Franchement, les commandes de l'avion sont vraiment propres. Il y a des petits soucis de gameplay un petit peu, je trouve ça. Genre la roue des armes, je la trouve pas ouf, hein, pour être honnête avec vous. Mais en dehors de ça, c'est plutôt plaisant à conduire. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Je suis en train de survoler la zone. Rejoignez la résistance. Ça sent pas bon. La vie de ma mère que je me gare ici. Hop, un petit 360. Allez hop, on saute, hein. Oh là là, ça c'est... Regarde, rejoindre la résistance comme ça. Avouez que c'est quand même grave stylé. America! Fuck yeah! À chaque épisode, hein, t'es obligé d'avoir une action américaine. Ah, je vais prendre... Ah ouais, d'accord. Ouais, je pensais pas de revenir comme ça. Pour être très honnête avec vous. Ok, c'est rien. Relève-toi, frérot. Aïe! Il est où le respect? Bah, toi, t'es vraiment... Ah! Non! Vous avez roulé sur Brandon! Relève-toi, frère. C'est rien. Oh putain, tu m'as fait peur. Ok, donc je crois qu'un résistant a roulé sur un autre résistant sans aucune putain de raison. Rejoignez l'autre barrage, c'est fait. Et comment les rejoindre là? Je comprends pas, les gars. Oh putain. Oh non, dis-moi pas que c'est... Allez, vas-y. Tu vas m'y emmener? Je viens aussi. On doit rejoindre les autres. Go, go, go. Vas-y, vas-y, vas-y. Je viens avec toi. Suis la Attends, route jusqu'à casse-toi. Hop, viens. Ah. Je vais pas mourir maintenant. Ok. Les mecs, j'avais jamais vu on se comprend pas. On se comprend pas. Il faut l'arrêter. Regarde ce qui s'est passé là-bas. Ok. Si on arrête pas, toi, personne. Allez, d'accord. Okay, personne n'a rien compris. Ça, frérot, là-haut. C'est pas grave, c'est pas grave. Les mecs, tu sais, ils rentrent à 5 dans la voiture. On n'a pas qui se comprend. Je me fous de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a rendu comme ça ou de son enfance. Il y a un moment où j'emmerde l'empathie. J'ai aucune envie de comprendre un putain de criminel de guerre. Voilà, du calme. Ça va, du calme. Ça va, du calme. Ok. Quoi? Il y a un bateau? C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit infâme? Attention! Faut qu'on se dépêche, putain! Mets le turbo, on peut y arriver! Faut y aller à fond, faut pas que ce truc passe! Quoi? Y'a pas moyen d'arrêter ce truc! Qu'est-ce qu'on fait? Quoi? Je panique! Je panique! Mais pourquoi on me dit qu'il est à 2000 mètres? Il est juste en face. Je panique de ouf, hein. Je crois que je l'ai tué, non? Ah ouais, il va m'enculer le bordel. Ok. Yes! Sérieux? C'est fait? Ok. La vache! J'ai entendu l'explosion jusqu'ici. J'en reviens pas que vous ayez réussi. Officier, je... Oh merde! Tout le monde a une dette envers vous et on pourra jamais assez vous remercier. Nos routes sont à nouveau sûres et c'est grâce à vous. Bon, je sais que Dutch vous a fait cavaler dans tous les sens, mais si vous voulez venir tailler le bout de gras, n'hésitez pas. Merci pour tout, officier. Oh, j'étais monstrueux! Ça, c'est fait, les gars! John va me capturer, hein! Vous voyez le nombre de points là sur la barre? Je pense qu'arrivé à la fin, il va me capturer une dernière fois et je vais devoir me débarrasser de lui. On y est presque, il suffit juste de faire des quêtes. C'est la dernière étape avant de pouvoir accepter la parole du Père. Nos péchés, enfin exposés aux yeux de tous, peuvent alors être excisés, afin de libérer notre âme et d'ouvrir notre cœur. Bien sûr, la douleur de l'expiation est fonction de la gravité du péché. Et, grâce à votre officier, les péchés de la résistance sont terriblement graves. Vous allez expier pour tous les actes de l'officier. Vous accepterez la parole du Père dans votre cœur. Vous direz oui. Quoi? Quoi, frère? Ah! C'est pas vrai, l'Américain.
Je mérite totalement. J'ai été très méchant. Ok. Je crois que c'était un suicide de la part du joueur franco-italien. Ok. Hop, ça c'est fait, ça dégage. Ça avance, hein. La barre avance. On est bon. Toi, tu te calmes. Il est où? Je ne vois pas, je ne comprends pas. Ok. Allez, ça dégage. Bon, il est temps. Grace a déjà est déjà partie casser du fanatique. Elle a entassé pas mal d'équipements dans le bunker. Il faut trouver un moyen d'y descendre. Très bien. Chose qu'on va faire de ce pas. Donc je suppose qu'il faut rentrer là-dedans. On va prendre le pompe au cas où ça part en couille. Ok, c'est pas ça. Ah, c'est pas ça. Voilà, ça, ça dégage. Oh, c'est pas vrai, laissez-moi, non? Ah, putain, il reste ici, c'est horrible, il reste un avion. Ok, attendez. Attendez, il y a forcément un cadenas ou quelque chose. Ah, attendez. J'ai tapé comme un couteau. Aïe! Qu'est-ce que c'est? Une attache. J'ai pris totalement une attache. Je sais pas pourquoi. Grâce à mon entraînement militaire, je peux casser n'importe quoi avec mes mains. Ok, on va essayer de le trouver, on va y arriver. C'est rien, c'est rien. C'est par ici, c'est terrible. Ok, c'est par ici maintenant. Maintenant, c'est ici, je pense. Yes. Ensuite, c'est par là, non? Eh bien, voilà. Ah! Quoi? Ça m'a fait tellement peur. Ok, on y est. C'est pas mal, c'est pas mal. Grace, t'es là? Réponds. Oh, si tu m'entends. Ces gens comme toi. Ces gens qui savent se servir d'une arme. Allez, ça c'est fait. Milice disponible dans le menu de personnalisation. Donc on débloque aussi des tenues. Écoute-moi. Dans les caches. Tu dois partir. J'espère que t'auras ce message à temps. Ok. D'accord, elle est partie hein, d'ici là. Allez, ça, on prend un maximum de l'OV. Un maximum de gilets. Ok, un maximum de coffre-fort qu'on va crocheter. Ça, c'est pas mal, ça fait plaisir. On a beaucoup de points de talent, les gars. On va se pencher dessus un peu, je pense. Histoire, hop, un maximum de lettres à lire. Des munes. Aïe, 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 doux Jésus. Ah, c'est l'arme que j'ai. C'est l'arme que j'ai, c'est bien dommage. Hop, pillé, 44$. J'ai 7400$. C'est pas mal, les gars. Hein. C'est vraiment pas mal. Alors, il nous reste une mission à faire qui est celle-ci. Et après, franchement, on est bien. Hein. Il nous reste plus rien. Hein. On va la faire, hein, on va la faire pendant qu'on est là. Il faut que je tue un élan. Je pense qu'il y a pire. C'est une des missions en plus qu'on a eu dès le début. Très bien. Comment je peux y aller facilement? Peut-être comme ça. On va voyager, on va récupérer un avion et on va tuer. Je vais tuer l'élan à l'avion, hein, j'en ai rien à foutre. Hein. Allez, on va encore louer un avion. Eux, ils sont chiants, hein. je suis à deux doigts de tout brûler là, vraiment. Hein. Ça commence à devenir casse-couille. Donc, je vais prendre un avion, je vais décoller. On va aller chercher l'élan parce que là, ils commencent à devenir très très lourds, les mecs. Ils ont 35 ans quand même, hein. C'est effrayant. C'est pas mal, hein. Bon, franchement, la première région, on a bien géré. Et à skip, chaque région cache vraiment une partie de gameplay un peu différente. Donc j'ai hâte de voir ça. Allez, on va sortir calmement. Allez, c'est parti. On a décolle. Bon, il est où cet élan? J'y vais au bombardement. Hein. Rejoindre l'emplacement de l'élan juge. Ah, l'élan juge, d'accord. Le mec, il est là, il juge. Dès qu'il va, il juge. Ouais, t'es qu'une merde. De toute façon, t'arriveras jamais à réussir dans la vie. Oh, comment c'est stylé. Oh non, c'est grave stylé là, vraiment d'ici. Hein. Dommage, les villes sont très petites. Je me demande s'il y aura vraiment une capitale ou quelque chose comme ça. Ce serait pas mal. Ok, on va rejoindre. Je vais atterrir à l'arrache. Ah, parachute. Hein. Ouais, parachute, les gars, c'est grave stylé. On va descendre ça en parachute au calme. Et je pense après, je vais me faire kidnapper de toute façon.
par ici. Je m'en bats les couilles, hein. J'ai tout arraché. J'ai tout arraché. Yo les gars, tuez l'élan juge. Il est où? Je vais me faire kidnapper. Je vais me faire kidnapper les gars. Ça y est, c'est le moment. C'est le moment de peut-être me débarrasser du lieutenant John. Ok, d'accord. Allez, on est parti. C'est des faux élans. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? En fait, c'est des élans en carton. Ah! C'est quoi ces conneries? Oh putain. La vie de ma mère que la guerre. La guerre, c'est moi et mes reilles. Ok. D'accord, en fait, je suis totalement... je suis totalement à l'ouest. Ok. Il est là, hein, il est là, l'élan. Juge. Et après, je pense que je vais me faire embarquer. Ça dégage, hein. Pas le temps pour ces conneries, hein. Ah, l'élan. Arrêtez! Ok, ça c'est fait, mon pote! Jugez élan! Mission complete! Toi, je te flippe, petit bâtard. C'est bon, je pense qu'ils vont venir m'embarquer, non? Non, pas tout de suite. C'était une fausse alerte? Ok, il y avait beaucoup de drogue. Hein. Je tirerai un bon prix. Oh, c'est pas mal ça. Hop, ça dégage. Je t'arrache, hein. Désolé, frérot. Ok, peau de chef de meute, c'est pas mal! Les gars, j'ai terminé. Vous allez pas me croire. Ça y est, lui, je l'ai ventré. J'ai totalement fini, les mecs. Ok. Bon. Ben, je vais où? Je vais où et qu'est-ce que je fais? On va s'arrêter là, les amis, je pense. Hein. On va s'arrêter là. Peut-être qu'il faut que je me fasse embarquer maintenant. J'ai peut-être juste à attendre de me faire embarquer. On va aller où? On va aller où? Je peux TP où rapidement? Un endroit sympa en milieu de carte. On va aller ici. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 12. Je pense que je vais me faire embarquer. Ou alors, peut-être je dois faire 2-3 petites quêtes de merde. On verra. On découvrira tout ça dans la suite de notre aventure. Et John Seed, je pense que prochain épisode, t'es à moi, mon frérot. Hein. Allez, à très bientôt. N'oubliez pas le j'aime, les gars. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao.